Frédéric Michel, auberge du Pont Romain, chef pâtissier dans cet établissement. Un établissement inscrit sur 3 générations. Notre grand-mère a commencé l'aventure, nos parents. Et aujourd'hui, je suis associé avec mon frère Thierry Michel pour continuer à faire vivre ce bâtiment. On va préparer une croquandine d'agrumes, un parfait cointreau qu'on va associer aux Côtes-du-Rhône village, le château de bord de la maison Brotte, pour ces touches d'agrumes qui vont rebondir sur le pomelo. Les Côtes-du-Rhône village sont issus du vignoble des Côtes-du-Rhône. Ils proviennent de terroirs spécifiques et sont cultivés selon des critères de production particulièrement stricts qui garantissent leur qualité. Pour notre marmelade d'agrumes, des pomelos, orange, citron et verveine en infusion. Et de notre côté, on va réaliser une croquandine d'agrumes, donc de la farine, du beurre, zeste d'orange, du sucre et des œufs. Et on va préparer les pomelos pour les ramener en segments. Donc ici, on pèle le pamplemousse à vif. On longe une partie de la membrane et gentiment, on vient extraire le... On profite du jus des agrumes. On va faire pareil avec l'orange. Même principe. Et de la même façon qu'on a fait avec le pamplemousse, on va tirer nos segments de l'orange. On profite du jus également. Et on va profiter du citron pour faire la même chose. Voilà, on s'appliquera à enlever les quelques pépins qui auront pu se glisser dans la préparation. Et donc, on va l'associer avec un mélange de sucre et de pectine. On va essayer de mélanger le sucre et la pectine ensemble pour éviter que la pectine fige trop rapidement sur les agrumes et on va éviter ainsi les grumeaux. Donc, j'ai fait chauffer un tout petit peu la marmelade, on va y amener les quelques feuilles de verveine pour l'infusion. Et on va la laisser quelques minutes sur le feu, l'équivalent de 4-5 minutes, pour qu'on vienne avoir une marmelade un petit peu compotée. Donc ici, on va réaliser la croquandine d'agrumes, un mélange de farine, sucre, du beurre coupé en morceaux. On l'a sorti un petit peu avant pour qu'il soit proche du beurre pommade. Nos zestes d'orange. Et pour terminer, le jus de 5 oranges. Voilà, on va mettre ça au batteur. Donc pour éviter les quelques grumeaux, on va chauffer un tout petit peu la cuve. On a laissé reposer un tout petit peu notre croquandine d'agrumes pour avoir cette pâte qui ressemble à une tuile. Et on va venir l'étaler sur le silpat pour une couche assez régulière avant de le passer au four. Donc ici, on va enfourner notre croquandine à 180 degrés pour 3 à 4 minutes. Pendant les quelques minutes de cuisson de la croquandine, notre marmelade d'agrumes est venue à consistance. Elle est assez sirupeuse et en refroidissant, la pectine va finir son action et on va avoir les morceaux d'orange qui vont être juste confits dans ce mélange sucre-pectine-agrumes. Voilà, notre croquandine d'agrumes qui s'est étalée. Ici, on va venir la décoller un tout petit peu. Donc, on va jouer
avec les différences de température. On va la faire refroidir une petite seconde. On va la retourner sur un papier sulfu. Et enfin, on va profiter de la plaque qui était au four et de sa chaleur pour nous permettre de couper la croquandine. Donc ici, on va couper des bandes. Et profiter qu'elle soit encore chaude pour venir la rouler autour d'un cylindre. Voilà, il faut agir assez vite tant qu'elle est encore chaude. Voilà pour les croquandines d'agrumes avec ce côté ajouré, transparent, dans lequel on va venir mettre notre mousse de Cointreau. Donc toujours pour s'associer à notre croquandine d'agrumes, une pâte à bombe au Cointreau. Alors dans un premier temps, on va monter de la crème fouettée avec du Cointreau. Et en deuxième temps, on fera notre pâte à bombe, de l'œuf, et un sirop de sucre, de la gélatine, qu'on va égoutter tout de suite. Le Cointreau dans notre crème fouettée. Donc ici, notre crème fouettée, qu'on va réserver quelques minutes au frais, le temps de monter la pâte à bombe. Donc ici, nos œufs qu'on va émulsionner. Et pendant qu'ils vont monter, on va faire cuire notre sirop de sucre. Voilà, notre sucre est arrivé à consistance. On va couper la cuisson et profiter de la chaleur du sucre pour faire fondre notre gélatine. Et on va profiter de la chaleur du sucre pour cuire nos œufs au batteur. Donc on va associer nos deux appareils, la pâte à bombe d'un côté et la crème fouettée au Cointreau de l'autre. Voilà, pour avoir une crème assez onctueuse, on va préparer nos intérieurs Cointreau et on les laissera quelques minutes au frigo pour qu'il fige un petit peu pour faciliter le montage. Donc on va pouvoir procéder à notre montage. On vient récupérer notre parfait au Cointreau qu'on a fait prendre un petit peu au froid. On va l'associer à notre croquandine d'agrumes ici. Donc notre marmelade qui est bien devenue sirupeuse après quelques minutes au frais, on va profiter de la transparence des agrumes. On va contrebalancer le côté sucré avec le côté juste amertume des pomelo. On profite de quelques segments pour amener un petit peu de fraîcheur. Et ici, pour compléter, donc notre sorbet verveine, un sirop de sucre eau, infusion de verveine, qu'on a fait turbiner quelques minutes avant, pour une quenelle qui va amener toute la fraîcheur au dessert. Et on va finir de décorer avec un petit morceau de sucre, peut-être une meringue. On va faire le rappel avec le segment du pomelo. Et pour le plaisir, une petite gelée au Cointreau. Voilà, et pour terminer, une petite touche de couleur avec une petite gelée de fraises.
Donc voici la croquandine d'agrumes, sorbet verveine, pâte à bombe au cointreau. Dessert associé avec un Côte du Rhône village, château de bord de la maison Brotte. Le vignoble du château de bord de l'Audun fut racheté en 1991 par la famille Brotte. S'étalant sur 22 hectares, il est situé à flanc de coteau sur une succession de terrasses parfaitement exposées au sud. Ouais, une bouche tout en harmonieuse et tout en longueur avec des vraies notes d'agrumes, de noisettes, de miel. Ce vin va s'associer parfaitement avec la croquandine d'agrumes et son caramel Suzette.